Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Un peu sous dossier juge Gary Aurélien, eh bien, qui désistait. Ou bien, yo mette pression sous lui, et yo fait le démissionner, et comme étant magistrat instructeur dans le dossier enquête assassinat Jovenel Moïse, là. D'abord, pour venir parler autour de yon l'autre coupe à 360 degrés que l'administration démocrate l'a fait encore, toujours, dans le dossier pays d'Haïti, hein. Car nous-mêmes, nous toujours dit, eh ben, pays États-Unis, pas gagné des amis, yo seulement gagné des intérêts. Donc, on parle autour de la sécurité qui a continué à frapper. Et on parle autour de questions affaires, accord qui t'a rejoint dans la Louisiane, accord diaspora, qui choisit Fritz Jean comme prochain président provisoire. Alors, notre Rababdou déjà, nous déjà ouais que l'administration américaine n'a pas marché dans la logique accord ça. Et ils ont même déjà tout. Nous voyons comment que le premier ministre de facto, Ariel Henry, déjà a roulé le consensus ça qui joint la diaspora, la Louisiane, le week-end passé, la farine. Et je ne veux dire encore, nous venons voir encore la nouvelle position de l'administration américaine qui déjà voit tout le monde au calendrier grec. C'est-à-dire que là où il y a un homme comme Brian Nichols, Brian Nichols, qui c'est un gros potentat dans le département d'État américain, eh bien, il dit carrément, il va positionner le gouvernement américain, que le mandat Ariel Henry n'est pas lié à 7 février. C'est-à-dire que 7 février, c'est date pour Jovenel Moïse pour le mandat être fini, mais lui-même, Ariel Henry, mettre toujours comme premier ministre jusqu'à ce qu'il finisse faire élection, la faire passation. Donc, c'est un bon langage, ça, pendant que même l'administration américaine, ça, demande tout secteur vie nationale, là, mais mettre tête ensemble, chita, dialoguer entre eux-mêmes. Yon l'autre, là, yon dit, ça, que tout le monde qui gagne accord, blindé accord, yon ensemble, fait tout accord au fond seul, eh ben, et je ne veux dire, là, blanc, lui-même, lui tranché, il tranché tellement fort. Pour le monde qui pas comprendre, jouer cabri là, eh ben, nous tous roulons dans la farine. Donc, le gouvernement américain dit encore, Ariel Henry a été choqué dans tel pays, sous force pour le département d'État américain, avec madame Hélène Lalime. C'est-à-dire que, option 7 février 2022, tout le monde a parlé, faut qu'Ariel allait, pas que ça. Le gouvernement américain, avec toute madame Hélène Lalime, qui est responsable de la BINU en Haïti, eh bien, Mounsayo, il baille Ariel Henry feu vert, il dit, adelante pour ce groupe du vent. Donc, ceci dit que, et selon Brown Nichols, les Haïtiens voulaient pour un gouvernement ça continuer à faire progrès pour organiser l'élection, pour élire un président démocratiquement dans le pays. Donc, c'est comme ça que la question est. Et l'autre bout tout, Brown Nichols exhortait acteurs politiques pour rejoindre un large consensus. Bon, nous ne connaissons pas. Côté consensus, ça soutient encore, mais nous sommes capables de dire que, acteurs ont fait un peu l'effort, ils ont arrivé, ils ont créé, ils ont fait un peu l'accord, ils ont sorti avec accord Montana, Penn, Soc, contre peuple, accord Laria, accord Femme, accord Milieu, accord National pour la Libération d'Haïti, accord PESDAM, accord de la transition générationnelle, accord Vision Conditions Féminines. Tout quartier accord comme capable de gagner, accord avec tout accord encore, eh bien, il fait tout. Je vais vous dire là, est-ce que la communauté nationale là, c'est pas un complot? Même, il a bien monté sous double haïtien. Hein? Donc, à nous seulement garder l'enjeu qui a fini, comment ça va aller? Est-ce que tout le monde va chita garder exactement, bagay a coulé, j'ai coulé à là, malgré après date 7 février qui a fini. N'a pas, oui, oui. Gon marché pressé là, pour ne pas fouer qu'on accord dans
théorie Montana. Captain de Guinée qui a posé candidature à la magistrature temporaire de l'État. Et Guéry Puy, Fritz Jean, il y a plusieurs autres encore que nous pouvons citer, que Cap Vini toujours. Donc, ça, il y a besoin pour un pouvoir, mais il n'y a pas besoin, c'est le peuple là pour faire tout. Il y a besoin pour y aller, pour y aller bambocher tout. Que pour qu'on ait qui fouille Koyo là, pour y aller à la première magistrature de l'État, mais il n'y a pas besoin de peuple là, bah, au mandat. Bon, c'est clair, il n'y a pas besoin de peuple là. Il y a un peu de dégager là, élection. Ça peut vous la voter pour y aller. Cependant, bon, en tout cas, et moi-même, j'aime moi si tu veux bagaille à pour évoluer là. Et comme dit tout le monde tout, clairement, moi-même, t'es gagné en pile fois, j'ai fait fois l'accord Montana. Parce que l'accord Montana, son accord qui était une très bonne initiative, c'est un accord senti bon que le dé. Mais le ministre. Côté peuple à la donne. Non, mais tout à fait. C'est un politicien qui a une fois qu'on voit le bon pouvoir. Mais Samdo, c'est que à la dernière minute, le minute de façon que eh ben, Montana a le meurtre avec Pen, et puis monsieur commence à développer stratégie, yo, il a parlé de Charlo, eh ben, yon gouvernance, il a parlé que pour gagner la yon gouvernance à 5 branches, 5 têtes, 5 présidents, 5 premières dames, ou bien 5 fois 15. Ou cabinet ministériel, eh bien, l'amba ou clair, moi, monsieur, son paquet bêtiseur que oui. Et son paquet bêtiseur, il y a encore. 5 machines blindées, multipliées par 5 organes et 5 gardes corps pour madame y'a fait la marché, et quoi pour ça, ou soit marché d'être en bas, et 5 cailles tout pour y'a été, dans l'hôtel. Et puis, c'est des ans, oui, n'est-ce pas? Il y a des ans, vous avez bon boché. Bon, monsieur m'a dit deux ans, et tant que je ne dis là, nous voyons que dans toute cette grande décision-là, le peuple a parlé dans le peuple a dehors, et n'est-ce pas fait, il a réglé, et n'est-ce pas monté et aller la Louisiane, c'est un bagage qui est bien planifié, bien orchestré hein, par une famille politique dans le pays, qui est sur la Louisiane. Non? Donc, monsieur, a cherché ouais, si vous êtes capable de prendre une petite reconnaissance internationale à travers, eh bien, question ça, question la Louisiane. Non, mais malheureusement, comme m'a dit déjà, le gouvernement américain, bah, position, eh bien, il dit carrément que le mandat Jovenel Moïse pas lié avec, Ariel Henry. Donc, faut que le mandat Jovenel l'a fini 7 février 2022. Ariel, lui-même, continuerait de toujours. Là, nous avons un petit problème à ça. Mais, l'autre bagaille pour nous considérer tout, Bobby, faut nous un paquet de pendiers qui sont là pour pouvoir le pouvoir. Il n'y a pas besoin de l'élection. C'est l'élection qui est pour faire un bagaille ça là. Donc, moi-même, si par exemple, vous êtes intelligent, vous avez dégagé là maintenant le conseil électoral de l'élection. Quand vous avez fait le département d'État, fermé bouche. Accord, c'est accord pour faire l'élection et puis pour. Peuple a participé. Moi-même, je comprends. Les gars, quand vous le faites dans le commandant, comme ça, puis même, il y a le bamboché, même j'en privé, il y a le bamboché pour pas. Bon, ouais, moi-même, ça, opinion par architecte, moi, quand tout le monde parle de faire élection, je ne veux dire là, car c'est de l'hypocrisie. Toute oui. Classe politique, là, qui est là, moi, je veux dire que quatre électorales que vous faites, c'est quatre électorales, Martin Moïse. Tout le monde dit que, c'est pour éliminer Katsayo, on va parler de l'élection à Bel. Et à plusieurs reprises. Bon, oui, hein? Non, mais à plusieurs reprises, Jovenel Moïse a essayé de nous consensus pour déformer le conseil électoral. C'est peut-être dit qu'il n'y a pas la dedans parce que quatre électorales là, on non. Quatre identifications nationales là, je disais quatre Martin Moïse là, même il n'y a pas la dedans. Donc, je veux dire là, maintenant de comment, secteur démocratique là, avec Zoukoutap, mettre Zoukoutap, comment vous allez la police du peuple là pour y aller participer à l'élection? Ni lui-même, ni sénateur Jean-Charles Moïse, pendant que M. Sénateur dénonçait quatre démalogues là, une heure de n'a pas croyé, n'a pas dit oui, double élection avec démalogues là. Démalogues, nous te nous lapidé Martin Moïse pour lire. Donc, c'est là le premier problème, parce que, oui, eh bien,
soit peuple là son passage obligé lié ou pas qu'aller voir le prendre pouvoir comme ça et puis peuple là pas gagner pour dire non ça quand tu as une élection quand pas tu as une élection et qui alternative ou gagner pour peuple participer bon définitivement bon en tout cas moi même pense que faut qu'on cap qui joue là parce que mais je t'ai dénoncé question 4 dialogue là de l'éducation pour 4 pays. Donc, on va croire que les gens qui disent là, ils sont capables de demander au peuple à voter avec faux 4 anti-Moïse. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui dis 4 pas bon, c'est eux-mêmes encore, dans la classe politique qui dit que 4 pas bon. Alors, comment bon. Est-ce que vous avez dans la Louisiana, les gens pour un général, ils ont dit qu'il y a haïtien, tout soit de parenté haïtien, vous mettez le devant, et donc, on a dit au général ça, les gens qui ont des chambres pour nos communautés haïtiennes. Écoute. Non, campé là. Pour comprendre bien ça que là, là. C'est une stratégie, c'est une grosse stratégie que vous jouez là. C'est une façon pour être capable de démontrer tout le monde que gagne un appui américain dans ça que là. Mais pendant ce temps, depuis que nous avons un général américain ou bien haïtien américain qui patronne les bagages là, donc tout le monde a paniqué, a commencé à dire qu'on va être sérieux. Vous comprenez? Et le par exemple, et Martin Moïse, un paquet blanc qui avait gros âme dans mes yeux. Ah, Amérique a pillé Martin Moïse, lui. C'est un bon âme de là. C'est perception ça qui est dans la tête. Eh bien, j'entends bien, oui. Tout homme qui a besoin de ça, depuis qu'il est en bas, ok. Moi, je demande un général américain tout le temps, ça là. Il était haïtien, communauté haïtienne, non? Nous-mêmes, nous connaissons ça qui passe dans la communauté haïtienne. Nous avons des noms avec ça. Nous avons des noms avec ça. Rien qu'on y a la vie pour les honneurs militaires et civils. Bon, ça, c'est un général Kaltol. Son général Kaltol lié. Un général Kaltol, peut-être qui fait sortir la couchette. Oui. Bon. En tout cas, bagaille ça. Bagaille peine avec Mondana, décision de ne pas l'autre côté. Monsieur, mais fait comme ce site là, ou bien ouler, faire élection sur après élection, yo élu, et comment Fridjan est président en première fois, en deuxième tour, troisième tour, et bien, n'après dit encore, je veux dire là, à qui peut l'entendre, politique en Haïti, moun qui met lui, c'est madame Hélène Lalime avec le département d'État américain. C'est eux-mêmes, c'est ça que vous dites fait. Qui finance, commande. Donc, c'est ça lié, son logique que lié. Il va l'autre bagaille. Donc, monsieur, ça m'a fait, et banque, mais toutes les fois que vous voulez, il n'y a pas gagné appui département d'État dans le yo. Donc, blanc, faites comment se rouler la farine, faites continuer de dire, eh bien, il faut continuer de dialoguer toujours, faites dialoguer, continuer, et puis, que dialogue, ne va pas aboutir à rien. Rien. Bon. Bon, en tout cas, nous gagnons quelques noms. Nous peut-être nous capables parler de eux parce que nous sommes les candidats à la présidence. Des candidats pour primature, oui. Yeah. Ah oui, des même 4 ou bien 5 candidats là pour poste la primature, pour poste job à là. Mais cependant, là dans le fond de tout que et là tout nèg nous wè k'ap kouri yo la gen kèk non que avanse nou tan kou par exemple nous songe très bien que gen bon nous même nous va le faire personnalité l'en bagay ça n'a quitté que c'est la presse qui déballé non yo mais nous gen kèk oui gen kèk non que pas nous pas dans hypocrisie mon yo nous gen moun pa nous dolat ah ouais bon alors m'pa pèse moi prend devant pour me citer non yo comprenne m'pa le faire comme ça. M'a quitté que c'est la presse qui va nous, mais nous connaissons que lui-même sénateur et ancien sénateur, comment il est encore, et n'oubliez de non échapper, non? Et sénateur, bon, m'a contre,
Bon, on va connaître si c'est collé ou si trois collé, on va changer nol. On va changer nol même capable de que ça n'a fait ça quel candidat pour questions affaires et pour impression ministre. Gagné selon information toujours ancien gouverneur Bonnivers Claude et lui-même et qui t'a intéressé hein pour rentrer dans le mouvement. Bon, on va connaître que s'il confirmé déjà mais information que nous gagnons qui arrive vers nous et gagner autour un certain Guylaine Rémy gagner Jean Enol Pitot Steven Benoît Bonnivers Claude avec un avocat yorele Iswick Théophin mais pour le président Kader ça c'est gagne... ça c'est ça que sous yo bon ça c'est ça que sous yo bon peut-être l'autre ça nous pour gagner yo nous pas ca citer nous pas voulez faire personnalité pour question pour le poste de président nous connaît jusqu'à preuve du contraire que Fritz Jean avec Edgar Leblanc fils et Edgar de l'OPL eux même qui portait application yo aller déjà là à la façon de Jean ça habitué fait en bas coup Jean que l'autre jeune homme n'était pas pouvoir ça qu'a passé là donc il nous a fait là donc il va faire l'autre bagaille c'est une président bon finalement monsieur parlait de Rival Formiseur le collège présidentiel selon ça qui proposait là à Comontana et tant que j'en dis déjà à Comontana monsieur ça va la cause que à quoi a évoué à monsieur pour rouler la farine et ben pas grand rien pour le sortir parce que pas aucun côté je ne veux dire là avec problème pays ça gagner pour nous m'a pas parler d'un collège présidentiel de 5 membres. Hein? Donc, peut-être qu'il y a, mais dans la pratique, qui a pile problème et qui n'est pas jamais capable de réaliser. Donc, si nous d'accord pour volontaire, nous ne pas toucher rien dans la journée de la cabine là. Non, même si vous allez comme volontaire toujours, il va faire sens. Si vite, monsieur, te parlez de formation au Conseil d'État, le président en tête, ou là, vous conseillez à qui même 20 membres là dans le même souffle. Mais, bon président. Mais, parlez-moi de un collège présidentiel de 5 membres, ou quelqu'un 5 membres, ça, c'est inacceptable. Il va que le chita. Et moi, c'est un homme qui fout question des affaires et accord Montana, quelque chose là, qui c'est un bon accord Montana. Il y a beaucoup de choses autour de lui. Il y a saboté le mouvement. Bon, nous pas dire ça. Nous pas dire ça. En tout cas, n'a pas fait un changement puisque nous connaissons nous là. Nous pourrons parler couler là de accusation que RDDH, qui a l'espérance, mettait sous juge Gary Aurélien. Qui a l'espérance, là, il y a un rapport. D'ailleurs, nous voulons dire pour tout le monde qui connaît que le responsable RDDH, là, Pierre l'espérance, c'est une bagarre que le fol en même, qui est le bon là-dedans. C'est fait fabrication. Son homme sont experts que liés, hein, en guerre psychologique, sont experts liés tout en fabrication. Fabriquer rapport, mettez bagaille sous moun, accuser moun, sale moun tout. Mais cependant, il n'a jamais écrit un lien concernant l'argent qu'on a pris sous Jocelyn Brivéo. Hein, l'argent qu'on a pris sous Jocelyn Brivéo. Donc, de pour parler de bagaille ça là, il est entré dans le trou. Là, le cachet, ou pas, on n'en a rien encore. Et comme nous sommes capables de tout, c'est parce que Pierre l'espérance qu'on prend pile mauvais là, il était pour mauvais comme sur Jocelyn Brivéo, qui la cause, il y a un militant de Koumario Lengil, avec Vélez Aliza, qui était RNDDH. Quitter RNDDH, puisque il a trouvé que M. Gain doit être longue supérieure dans la question d'affaires l'argent. D'ailleurs, il a dit que c'est pas responsabilité lui pour chercher l'argent, l'homme et l'État. Par le l'argent l'État, l'en BMPAD, pour te financer projet, l'en RNDDH. Et juste, je ne veux dire là, il refusait d'accepter que, eh ben, il te fait une bavure, l'en question 1. Ben, je veux dire là, quelle expérience l'humain, baleine, l'en cotonfle sur ma juge Gary Aurélien, il dit qu'il recevra 4 millions de gouttes pour lever l'interdiction de départ, qui te émettre à l'encontre de yon personnalité, que yon même va les citer non yo. Et Mounsa a été entretenu avec un individu qui indexait l'assassinat. De qui est-ce
Eh bien, Pierre L'Espérance a parlé. Est-ce qu'elle t'a fait mention de l'ancien sénateur Paulo Denis, Paul Denis, et de Unifos, qui c'est bon ami le tout? Car nous rappelons très bien, Pierre L'Espérance a suite à l'émission et ramassé. Vous avez décrit que, côté que Paul Denis, pas que syncope, côté le d'après l'argent pour la participer, la question affaires tout le président, l'entrepreneur, lui-même encore, il a dit que Paul ne dit pas poster dans le coup, pas gros péril, l'esco. Et les deux jours, nous avons dit à rapport que, eh bien, il y a un monde qui débat 4 millions de gouttes pour lever l'interdiction des parcs de studio. Selon RDDH, toujours, depuis le juge Aurélien Monté comme magistrat instructeur, dossier assassinat de Jovenel Moïse, le juge là prend contact avec un pile monde qui citait le dossier assassinat et il demandait jusqu'à 50 000 dollars américains pour annuler le mandat, yo, mandat d'amener. Yo. Et maintenant, nous tournons ce juge, ça a son l'autre encore, il révèle sous Scoop FM que le juge là était soudoyé par l'ancien juge là, le 16 décembre, Léon Charles, qui était présenté dans le cabinet d'instruction avec 53 agents. Police nationale a bossé 7 véhicules. Ancien DGPNH a été payé 4 millions de gouttes par le juge là. RDDH dénoncé, tout greffier Élisée Cadet, qui attaché comme magistrat Gaï Aurélien. Donc, il présentait le local RJ, NTK, pour demander pour passer la machine sur nom. Et magistrat Aurélien a pas annulé le mandat qui sous dos responsable RJ, NTK là. Donc, il parlait tout de libération qui fait en date 3 janvier par juge Aurélien de Chier qui était incarcéré. Il dit que un policier a versé 25 000 dollars américains by le juge Gary Aurélien. Donc, question à venir je dis à là, mais pendant tout que juge là, lui-même, il casse le code de quitter ça. Mais avant d'aller, il met une note de clarification dehors que il publie le 20 janvier. Maïssa Gary Aurélien dit que lui-même, il rejetait accusation de corruption qui portait contre lui-même par Pierre Espérance. Magistrat admettait en demeure Pierre Espérance pour le produit tel fait ou bien telle justification qui va montrer hein, lui-même trempé l'accusation que le fait. Gary Aurélien, la note qui publie le 20 janvier, il dit que lui reprouvait avec la plus grande rigueur les allégations qu'il qualifie de mensongères, diffamatoires et indignes tenues par Pierre Espérance à son encontre. Donc, il estime que ces déclarations tendent à porter atteinte à son intégrité, à son honneur et à sa famille. Donc, enfin, finalement, vendredi 21 janvier 2022, Maïssa Gary Aurélien dessaisit le dossier. Ordonnance de dessaisissement là, il rend public vendredi après-midi. Et dossier a enregistré 07-64-20-21. Donc, c'est comme ça, question 1, lui-même lié, le sac de pouvoir avec question Gary Aurélien. Entre-temps, avant nous pimper à aller plus loin, n'a pas de journée de diagonale explosion qui fait un dépôt produit pétrolier. Un dépôt qui a un gasoline là, dans le tank qui a un gaz marché noir, dans la zone Toland 10, la commune Carrefour. Gagné pour plus petit 10 personnes qui blessés gravement grave. Là-dedans, il y a 2 sapeurs-pompiers. Il y a plusieurs automobiles tout qui brûlaient tout près de la compagnie Dinassa avec sol dans Hollande que l'explosion ça a fait. De l'autre côté, on a dit que je ne veux dire, c'est-à-dire que depuis mercredi, bandit kidnappé Naomi Bartol, qui est un employé Fondation Saint-Luc. Et bandit kidnappé dans la zone d'Elma. Et qui se joue depuis mercredi qui se passait là. Et puis en même temps, on a tout que le pasteur Mathieu Chérimé, pasteur de l'église Mahalahel de Delma, et bien, il est tombé en babal bandit armé pendant que le tap essayé et bien, pour te kidnapper M. Jeu, et bien, M. Jeu tap cassé code avec kidnapper. Et bien, les gars mettaient instrument sur M. Jeu, je vois M. Jeu aller. L'un pays son chapeau. Donc, c'est comme ça, question lui-même liée. Et puis, nous avons une nouvelle là-tout, que John Joel Joseph est offert là pour te payer autorité jamaïcaine, policier jamaïcain qui a l'arrêté libre de 100 dollars jamaïcains, qui est égal à 12 922 dollars américains,
yo pa arrêté. John Joel Joseph tout payé près de $12,000 américains pour te aller dans pays Jamaïque et yo fait connait que il était tenté pour le soudoyer les policiers le jour de son arrestation. Et puis le gouvernement cubain qui a rapatrié 78 médecins cubains qui t'a bail soins médicaux en Haïti, décision qui vient après que bandi a kidnappé le médecin cubain Demara Hélène Pérez et bandi yo kidnappé li, yo prend en otage malgré que yon rançon de $10,000 américains déjà payé, mais yo pa jamais libéré et ben docteur cubain ça. Et puis on connaît finalement Rodolphe Ja, il pas boy ici dans Miami. Et comme il déjà rencontre avec juge Lauren Lewis qui a travaillé sur dossier là, un juge fédéral, juge district sud de la Floride. Donc la nouvelle audience pour mercredi 26 janvier 2022 et puis mise en accusation il a fait le 3 février 2022 capine là et toujours en bas et juge Lauren Lewis qui c'est magistrat instructeur sous le César. Et on fait connaître aussi les reconnus coupables, accusations portées contre lui. Eh bien, Rodolphe Ja capable de joindre une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité. Mais faut souligner pour en même temps que une plainte pénale, c'est une allégation que lié. Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que il capable de prouver culpabilité. Au-delà d'un doute raisonnable devant le tribunal. Voilà, c'est tout ça que j'ai pour vous. Oui. On pense aussi politique, bon, ici là. Et on connaît Sheila, ma commune, Sheila, Sheila Philus, et aller Washington. Et c'est Assi Estine que nous avons placé, qui est décédé. Assi Estine, nous connaît. Qui a été garçon, monsieur Téye, qui a été protection, qui était tant sur la communauté haïtienne. Qui ça nous doit attendre de cher Philus, chez là, qu'on y a, qu'il vivait dans la position ça, malgré c'est pour un an, parce qu'il va aller dans l'élection encore. Bon, pas même dire un an, quelques mois. Quelques mois. Donc, qui ça nous doit attendre de lui-même? Bon, j'ai encore une question que lui. Seul bagage nous capable dit que s'il y a une volonté, c'est une question de volonté. S'il y a une volonté, et communauté haïtienne, capable de bénéficier en pile bagage de lui. Mais s'il y a une volonté, c'est qu'il a fait petit clic, petit clan, petit groupe qui l'a réglé dans Washington, eh ben, l'a passé comme une simple lettre à la poste. Clair sur ça. Parce que, monsieur Lampresse là, je voulais faire comprendre que c'est le premier haïtien nous gagnons avec le congrès. T'as dit non? Non. Ça, c'est le deuxième haïtien américain que nous gagnons qui vivait chez le congrès des États-Unis. Hein. Premier, c'est sorti dans la zone Utah. Et tout le monde songeait que c'était Mia Love. C'est ça. Mia Love, mais c'est sous bannière parti républicain. Hein. Il s'est passé. Et même si on m'a montré lié. Et nous te gagne monde que nous te gagne qui était très proche, mis alors, nous capable citer le nom de Jackie Jonassin. Cependant, mis alors privé, il fait 2 ans dans le congrès, il n'y a pas de agenda politique là, mais il était seulement à défendre intérêt, mais, gros palto, moi, mon pari, lié. Il va même prononcer le même pari une fois. Pour le pays d'Haïti ou bien pour la communauté haïtienne en diaspora, eh bien, après 2 ans, il a basculé. Après 2 ans, il fait 2 ans, il a basculé, il est tombé. Il bat donc une racine. Bon. Donc, c'est même pas arrivé avec Sheila là. Est-ce que la communauté n'a pas de embrasser, justement, pour ne pas quitter le pour contre lui? Bon, la communauté n'a pas quitté le pour contre lui, mais lui-même, pour le offrir la communauté en alternative. Donc, faut capable offrir communauté à pas oublier tout leadership communauté haïtienne là que tal pour candidat en face là. Bon, oui, c'est ça. Mais naturellement, on a quand même
deux trois graines quand même qui en bas avant lui qui défendent ses intérêts de parti qui pas vouloir défendre intérêt communauté non qui va défendre intérêt de groupe yo qui groupe yo. Donc résultat pour gagner bon aussi ça pour dans l'agenda là. Ouais, tu couche en dou là, il faut que les gagner bon ici à l'agenda, faut qu'il gagne volonté. Mais même si bah, moi c'est volonté. Il veut que volonté va gagner le pape. Parce que quand le groupe avec Karimik c'est congrès women boy ici a lié des fonds paquet pareil pour communauté haïtienne non ouais ouais hein? Ouais maman mix ouais à qui veut l'entendre lié des fonds pile bagaille bien que son noir que lion afro-américain que lié mais il sentit que même il souchait avec communauté haïtienne non donc Karimik Karimik son monde ça après gauche bobé c'est que et leadership haïtien là les comme d'ado comme ça que je te considère comme un intrus. Ouais, dans ce sens ça. Et, well, si je plonge mes bails, il faut que je me prenne un pour être guidé. Bon, de toute façon, moi-même, je souhaite, moi-même, je souhaite du succès. D'ailleurs, c'est un baron de lui. Parce que, bon, il est capable de son avocat qui est dans la communauté, hein? Il tape vivre, il tape fonctionner. On a nous là comment t'as capté moi là bon m'a connait il t'a bon point et bon il t'a fonctionné là en bataille mon pas jam connait lui naturellement nous souhaiter lui du succès mais n'a dit mettre en tête lui s'il pas un agenda communautaire il pas gain volonté pour communauté haïtienne non hein avec Haïti et ben l'a seulement compter moi le faire là et puis l'a tombe à tête pipe à gros cabri. Si dame qui est sénateur à tout, il est obligé à le marier avec un Jamaïcain parce que les Haïtiens ont été méprisés le tout. Pourquoi changer? Qui est-ce que dame va parler? C'est un sénateur dans l'ACR, toujours là. Adventiste. Ah. Neuf là. Bon, je vais changer. Bon, je vais faire ça. Ils sont neuf, Yon. Et puis, ils sont Jamaïcains. Bon, dans le neuf, je vais ici là, mais. Non, ça va. Sénateur, bon, j'ai dit son personnage particulier, mais m'a bien cité non lui. Mais je fais que clair, et dame, ça depuis en vente d'entrer dans la vie politique qui démarre avec Jamaïcain. Non, en fait, Mabdou, ça m'entendait que. En gros, c'est tant de entrer dans la politique. Parce que Haïti n'a pas de l'intention, ça fait obligé à Jamaïcain. Non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. En tout cas, il soit position. Et puis il était fait beaucoup de travail dans le milieu. Et mon dévidé sous lui, il a aucun problème, soit immigration, soit d'autres bagages, etc. Bah, ça, là. Bien, non, oui. Et, il est toujours là, dans le meeting là, que nous avons. Je suis là, Abdou. Grand pile Mounsayo, c'est views à chercher, c'est bagage de proximité à chercher, mais bagage de sécurité pour la communauté. Ok? Lui-même, il est fait de trois bagages. Bon, d'ailleurs, mon système de trois bagages différents. Et l'homme, je ne vais pas tourner sous l'air avec vous. Ou soit même, il est capable, même de ne parler avec nous. Il va dire problème. Il doit offrir ça. Bon, en tout cas. Right. Ok. Après ça, qui s'est dans le milieu là? Partira ou partira-t-il? Qui est-ce? Qui est-ce qui est pour le partir de cette février? Qui va partir? Je ne sais pas qui est-ce, non? Est-ce que vous avez un bois de banane pour faire Ariel Pati là? Je vous ai dit tout à l'heure, Ariel n'a pas pris aucun côté, le département d'État a dit lui. Et puis, nous reprenons, comme toujours dit, qui finance comment? Nous avons pas quatre politiciens en bas, pas quatre politiciens nous en bas, c'est corrupteur que vous avez, hein, pillageur, hein? Moun qui corrompu net jusqu'au bout, il va rien, il va rien en tête. Donc, c'est blanc qui a pu vous dire, ça, mais ça l'a fait. Par exemple, une qui va camper là, en face de Nichols, puis on dit que ça le dit là, il va pas accepter. Tout n'est pas le couper là, parce que, il y en a qui va aller voir comment c'est pour sanction contre la couper visa, il y en a qui va aller parler aux Américains de San Port-au-Prince, pas y gâter, pour pas monter à bol. Donc, n'est-ce pas le Seigneur là pour prendre l'autre un an encore, ou pour l'autre deux ans encore? Il va faire cette manifestation, mais tout c'est en perdu. Parce que, qui finance comment? Blanc déjà d'où que,
pouvoir Ariel Henry gagne que madame la limba Ariel Henry a lié avec pouvoir Jovenel Moïse. 7 février, Jovenel Moïse fini, punto. Et c'est ça qu'a fait venir dire là, sur le grand problème. Jovenel Moïse fini depuis les offices d'assassinat, non? Non. Ouais. 7 février 2020. Depuis les ça, après 7 février, c'est ton blague, dit-il, pour n'être pas comme d'ado faire poésie. Mais depuis l'assassinat Jovenel là, on va remarquer, il a cherché à éliminer 6 monde, 2, 3 graines monde qu'il était dans le gouvernement ça. Parce que c'est pas lui-même qui t'a mené le gouvernement, c'était Matéli qui t'a mené tout le bagaille. L'air commencé à dénoncer 2-300 avis dans le PHTK avec Matéli, c'est là ça même complot ça fait, son complot fait à 100%. Bon, en tout cas, ce qu'on s'allie, et je viens de vous dire là, tout Bahamas qui est piégé, n'est qui t'a tout le pays depuis sous administration PHTK, je viens de vous dire là, c'est eux-mêmes qui pire les Français qui a demandé justice de Jovenel Moïse. Mais, n'a dit tout, c'est comme t'as bien expliqué ça sur une passée, hein. Loi que le Congrès a voté là, le département d'État, 180 jours, pour produire un rapport sur le pays d'Haïti, hein. Faut faire attention. C'est que, dans pile nèg qui t'a tout le pays, l'agent CIRH, l'agent Pompétro-Caribé, nèg qui clean, nettoyer qu'est-ce l'État, eh ben, blanc a mis en bas tout. Et ben moi, je veux dire là, il a arrêté par la chose. Vous savez, les nègres, c'est sous deux couchés avec le gros texte. Il y a un tweet monté. Il y a un bas compte. Bravo, la compte. Martin Bassoïse, Laurent Lamotte, tout le monde fait un gros tweet. Je dis attention. Attention. Oui, mais on va regarder le monde. Qui ont interprété, marché pressé ça là, qui a fait. On s'est nèg monté très Montana là. Avant de au départ, accord Montana, c'était un plus bel accord que gain. OK? C'est un accord qui était peut-être qui parlait ou bien qui énonçait vrai problème pays là, qui parlait de problème macio. OK? Mais là nèg vient sortir avec l'obèse ça y a le fait là et la Louisiane là. Eh bien, à Pana, son accord, il me dit, je ne veux dire là, hein, il n'y a pas ni tête, ni pied, donc, il y a tout est faux. Je ne vais pas arriver dans ça là, mais m'a dit que quand c'est de saboteur qui fout le corps là, ouais, quoi, me saouler, c'est pas, ça fait Montana, il régler, non? Ça fait pouvoir, ça, on parle dans l'élection, il régler. Alors, vous comprenez que Blanc, actuellement, capable de, je ne veux dire là, si vous regardez bien, malgré tout ça que vous avez sous le dos Ariel Henry, moi-même, moi, toujours dis le tout. Ariel Henry, si j'étais à sa place, je vais démissionner comme premier ministre parce que si moi, mes familles, moi, mes têtes, moi, mes signatures, eh bien, je ne vais pas quitter le monde à passer pour ça dans le sous-moi comme ça. Eh bien, Ariel Henry, le camp est jusqu'à présent. Eh bien, actuellement, coulé là, Ariel Henry, c'est l'homme des Américains. C'est un homme américain anglais. Bobby, actuellement, Ariel Henry était toujours là. L'homme des Américains, depuis me connaît, et il était toujours dans Sikuya. Et déjà avant le conseil de sage, que n'a pas l'air, il était toujours là. Il n'est pas nouveau sur le terrain, côté lui là. En tout cas. Il y a des gens qui croient dans le combat de ça, Ariel, son nouveau venu. Elle n'est pas nouveau venu, n'a pas dit ça qu'à nous. Bon, en tout cas. Architecte, n'a pas plagué là, n'a pas classé rendez-vous encore. Prochainement, on tient l'enquête sous affaire Marien. Projet Marion, ou soit Marion, qui projet qui est dans Nordis. Projet qui non seulement la baille courant, mais la pose jardin, la baille de l'eau pure, de l'eau buvable, et on se réveille comme ça. Parce que m'a pas de quelques bons feedback de projet ça. Bon, je vais souhaiter ça. Je vais faire attention à lui-même. Eh bien, ok, on fait ça. Thank you. Et à la prochaine, je vous ai compris qui t'apprend ou qui satisfait pas chouette. Parfait, architecte. Alors, architecte, nous croyons que, à la limite de minuit 8, nous avons combien de temps, nous avons dernier, et puis on l'a pu le tomber chez nous là. Non. Et Bobby, m'a 24. D'abord, ok, écoute. Ces questions, nous allons retourner encore pour nous brasser sur le chapitre de sécurité. Gagner là, alors, femme de ce rédactrice, nous, rédactrice en chef, nous, qui fait passer nos informations ça.
Alors, Madame Nelly Florino, qui se fait côté de Pêche Obano, il nous croit que M. Fritz Altenor, qui mourit en babal bandit armé jeudi 20 janvier, reprenons encore Fritz Altenor. Mais non, Fritz Altenor. Ah, bon, ok. Altenor, qui mourit en babal bandit armé jeudi 20 janvier, bandit qui a circulé à moto dans la zone avenue Christophe, à proximité Inagé. Monsieur, c'est M. Altenor, c'est l'avocat qui a affecté l'embarras au Croix des Bouquets. Mercredi, bandit armé dans la zone Croix des Bouquets, localité Michaud. Le tué Akbal, commissaire police Jean-Ismé Auguste, avec madame ni Clotilde Villus. Gagnant petit théorie dans la machine dans tout, un petit monde de 10 ans d'âge, de blessé par balle. Ancien commissaire BLTS, Patrice Israël. Eh bien, monsieur mourit jeudi matin, après le recevoir plusieurs balles, le même bandit 400 marozo, bandit au prend le possible pendant une opération policière, eh bien, il est décédé dans l'hôpital d'Annameuse. Et puis, dans la nuit, jeudi pour l'ouvrir, vendredi 21 janvier, bandit armé l'ouvrit, soutien armé, sous homme d'affaires, Louis Saint-Yves, alias Tipilon. Tipilon. Donc, monsieur prend 3 balles, à peine il était sorti de la localité Williamson, dans la Kaye, après une tentative de kidnapping, eh bien, Tipilon, son homme qui a plusieurs pompes gasoline dans la zone de la Kaye, eh bien, bandit a osé M. Katouche et il voulait aller dans le pays sans chapeau. Donc, c'est comme ça, la situation y est avec question d'affaires. Insécurité a frappé fort dans le pays, hein? Et tant que j'en doute là, question est grave en pile. Et nous voyons que pas gagné l'État absent dans le pays. Hein? Donc, c'est comme ça, cette question lui-même dit. Oui, donc, on va bon. Passer le bagage généralisé. Dis-toi facile. Donc, bon laboratoire, cap chercher moun, cap descend moun. Bon, ça m'a demandé pour nous enquêter plus sur ça toujours. Nous pas capables pour sortir avec un jugement comme ça. Pour nous dire si c'est laboratoire ou si c'est bon bandit qui a fait et quoi ça dans le pays qui a pété mon tête. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne et toujours songer pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.